Monsieur, j'ai oublié ma veste. Mais non, c'est la semaine du développement... Durable. Bonsoir Bernard, je peux lire 2-3 textes? Je crois que ça va être bon pour ce soir. Il y a toujours un peu de raison dans la folie. Nietzsche. Vous avez tout de même pas l'idée de faire une révolution? On fait comme en Corse. Ben oui, il a raison. On s'en paye un. Un buzz. Ton préfet, on peut s'en occuper autrement. Vous savez, en amour, je sais de quoi je parle. Allô, allô, y a quelqu'un? Arrestation d'un pervers sur la place de l'hôtel de ville. J'aurais pu trouver un titre plus explicite. N'empêche qu'on parle de l'opération. Mais quel droit peut se prétendre supérieur à celui de la nature? Et on va trouver d'autres actions dans le même style. On va exploser les marchés. Ouais, enfin, jusque-là, je suis d'accord sur l'analyse, mais vous comptez vous y prendre comment pour détrôner l'économie mondiale? Libéreux ou Narbonnier ou je vous prends à témoin. Vous êtes sûr des prix? Ah mais bien sûr, monsieur. Il n'a jamais été question. Vous ne verserez le premier centime qu'à partir du moment où les parcelles seront viabilisées. De créer une zone de chasse naturiste dans les Corbières. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous voulez la guerre? Vous allez la voir. Messieurs, nous on y est pour rien, on fait notre métier, c'est le maire de Narbonne qui a pris la décision. Notre maire a des besoins intimes. Et le chiffre 100 000 habitants l'arrangerait bien. Les prix sont en baisse. Je pense pas que ça dure, faut peut-être en profiter. Et puis on n'entendra pas de son projet. Et c'est ce que vous appelez les prix du marché, vous? Vous pouvez le lui dire. Ah mais oui, je vous assure que ce sont les prix, mes collègues ne vous proposeront pas mieux. On nous fait miroiter de mirifiques avantages. Je suis sûr que par une simple manipulation, on peut modifier la réception des programmes. Ah, franchement, la panoplie. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, et bienvenue dans notre émission « Pas vu, pas pris ». Et enfin, monsieur notre dernier candidat. Je suis comédien. Ah. Ah non, crétin. Vous avez dit ces crétins qui doivent n'importe quoi devant leur poste. Je n'ai jamais dit crétin. Un ministre, ça va pas être facile. Vous voyez, il va passer juste en dessous, là. Impeccable. Prépare la bombe. De nouveaux incidents un peu partout en France après la bousculade du ministre de l'Éducation nationale par des lycéens à Narbonne. Et bien sûr, le grand poète, ce serait toi. Et qui d'autre? Premier enlèvement en vélo. Allez, zou. Je savais pas que le public de Kiko, c'était des écolos. Bon, mais faut avertir la presse maintenant. Midi libre, j'écoute. C'est pas du fric que vous voulez? Nous sommes les membres d'un commando de libération des esprits. Oui, bonjour. Pourrais-je parler à Kiko, s'il vous plaît? Je vous le passe. Kiko, c'est pour toi. Mais tu déconnes ou quoi, là? Oui, vous répondez sous la contrainte. Écoutez, passez-moi vos agresseurs. Le commissaire. Exactement ce que je pensais.